Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Essential Coloriage. Aujourd'hui, j'ai un petit haul à partager avec vous autres. J'ai passé une petite commande sur bookoutlet.co.com. Je vais te dire ça, je suis mal informé. Mais ça, c'est .ca. Ouais, c'est ça, c'est bookoutlet.ca. C'est là, j'ai aménagé mes métaux graphiques. Fait que là, je vais faire le haul. On va commencer par le Beauty of Horror 2, Giuliana's Crypatorium. Si c'est pas votre genre de livre, n'hésite pas à avancer de vidéo à le prochain livre. Je sais, c'est pas pour tout le monde, ce livre-là. Il vient avec un petit couvercle. Il laisse ça ici, mais on pourrait le colorier si on voudrait. Va regarder ça ensemble. Moi, le quatrième m'avait défaite. Je ne sais pas si lui va faire pareil. Je vais voir avec le temps. Mais le quatrième, il m'a défaite tout de suite. Il vient tout juste d'arriver. Fait que j'ai même pas eu le temps de les regarder ensemble. Fait que j'ai hâte de regarder ça. Ça, tu peux chercher pour ces ingrédients-là dans le livre pendant que tu colores. Oui, il est cute, celle-là. J'aime pas le patron en arrière, par contre, mais. Oh, celle-là, je l'aime. Le cimetière. Beaucoup des clowns. J'aimerais avoir la collection au complet, à un moment donné. Ouais, ça, c'est pas pour aujourd'hui. J'aimerais avancer plus de mes livres avant de continuer à en acheter. Même si je collectionne les métaux graphiques, celle-là, je vais aller avec les deux que j'ai pour le moment, plus mes cartes de tarot. Oh, j'aime celle-là, le petit bébé monstre, démon, je ne sais pas trop. Tu vois, il est cousu, ces livres-là. Mais ils sont très durs à casser leur reliure. Ça va arriver. Juliana, puis le petit gars, je sais bien, il jamais dit son nom. Ça, j'aime cette page-là. Assorted Creepy Treats, c'est comme des chocolats, mais c'est des petites têtes. Est-ce que je vais les faire chocolat, mais que j'ai collant, ou est-ce que je vais les faire en leur couleur de visage? On verra bien. Spécial comme il mange. Très spécial. La mouche. Lui, comparé au 4, je trouve qu'il y a beaucoup de pages avec des fonds assez chargés. Ah, c'est bizarre, ses yeux. C'est des bouches. Les villages qui cherchent le loup-garou. Oh, un bébé pieuf, mais un monstre. Cthulhu, peut-être. Des rochettes démoniaques. Oh, j'aime ça, là. Ça, cette page-là, je risque jamais de colorier. Les bouteilles, par contre, ça risque d'être le fun. Oh, cool. Le homme chauve-souris, vampire, il est bizarre. Encore des gâteries. Spécial. Vraiment spécial. Je sais que c'est pas des livres pour tout le monde, puis je m'en excuse, mais je veux la partager pour ceux qui connaissaient pas ce livre-là. Vu que Zazu en avait parlé, puis je savais que je l'avais fait venir. Elle avait parlé de ça, ce livre-là, pendant son live de Freaks. Fait que je me suis dit, pour ceux qui aimeraient voir, mais ils pourraient le voir dans le hall. Mais pour ceux qui l'aiment pas, je suis désolé, tu l'avancerais le vidéo. J'ai assez d'y aller vite, là. Les autres, je vais prendre plus mon temps pour regarder. J'aime ça, la planche Ouija. Très cool. L'étiquette aussi.
Oh, vieux téléphone, ça pourrait être fun à colorier. On ne voit pas ça souvent. Le troisième, c'est un carnet bar, puis je me demande si j'y prendrai pas aussi avant, à long terme que tout l'autre. Oh, les filles de Shining, les jumelles, tu veux-tu jouer avec nous? Je pense que c'est tout. Ça, c'est fait tes propres dessins, la palette, tester tes palettes de couleurs. Oui, et les réponses. Donc, voilà. Ça, c'était la Beauty of Horror 2 Oleanna's Crematorium par Alan Robert. Donc, voilà, ça, c'est fini, celle-là. Pour ceux qui ne regardent pas, qui peut-être que je te dis qu'on est fini, on est fini. Ensuite, j'ai le Magic Mythographic Coloring Discover Magical Earth, An Artist Coloring Book of Natural Wonders, Joseph Katzenbach. Là, avec mes deux plus récents achats, il manque Aviary puis Dreamweaver. Mais Dreamweaver, ça m'intéresse moins que les autres. La tortue est cute. Très belle. Une baleine. Oh, lui, cette image-là, là, c'est mon préféré du livre au complet, je pense. Ça risque d'être le premier que je fais. Je le trouve magnifique. Le Montagnery. Oh, mais l'ours polaire, il est beau. Il est vraiment beau. Celle-là, il me fait penser à ses vieux livres animaux. Tu sais, son premier livre, au début, j'ai montré dans mon collection, c'est comme t'as beaucoup de doodles, puis là, ça sort. Mais là, c'est des fleurs puis des papillons, mais tu sais, c'est sur les mêmes styles, la façon qu'elle est faite. Des nids d'oiseaux. Oh, le Sarajevo. Avec les pierres druidiques. Celle-là, je l'aime beaucoup. Celle-là aussi. Les petits chatons qui jouaient comme une grosse tique dans sa réflexion. Les pages sont perforées. Assez épais. J'y pense jamais de dire. Quand j'y pense, je vais dire. Je suis désolée si j'y pense pas tout le temps. C'est des champs de riz sur le dos des animaux. Spécial. Celle-là, je l'aime. C'est étrange à cause les méduses sont dans les airs, puis elle sort du lot dans la caverne, toute pleine de cristal, mais c'est une belle image. Quelque chose de colorié, par contre, mais une belle image. Ils sont dans des bouteilles. Ah, oh, c'est spécial. C'est pas bien l'image pour faire de l'eau transparente. Je fais les pâtes, puis les poissons, puis tout, ça pourrait être bien. J'aime beaucoup celle-là. Ta maison qui est leur ruche des abeilles. On voit le miel en dedans. Spécial. Bizarre. C'est une coquillage. La maison est haute, puis les girafes, ils dépassent les nuages pour aller manger les feuilles. C'est magnifique, ces livres-là. Je pourrais les regarder des heures et des heures, même si je n'ai pas colorié. Dans toutes mes mythographiques, là, c'est tellement des chefs-d'œuvre, j'adore regarder ça. Les bonhommes de l'île de Pâques, Easter Island, c'est spécial, je l'aime. C'est original comme image. Je trouve ça de valeur, les pixels, mais je vois qu'est-ce qu'il essaie de faire comme la guille dans le monde virtuel. Puis, qu'est-ce que tu veux? Celle-là aussi, je l'aime bien.
Moi, une train abandonnée. La nature la reprend, spécial. Une bibitte à l'envers sur une branche. Une autre très spéciale. Une maison d'un arbre avec des feuilles. J'aime celle-là. Le poisson est dans une boule qui contient son eau, comme ça il peut respirer, mais est à l'extérieur de l'eau. Très original. Oh! Oups, excusez. Je l'adore. Celle-là, je l'adore. Le château Chandelle, là. C'est un de mes préférés aussi. C'est vraiment des belles images. Oh, elle est belle, celle-là, avec le dragon en dessous le puits. J'aime beaucoup. Un paresseux. Oh, le torse de thé en volcan, j'aime ça. J'aime beaucoup celle-là. Ça, c'est un sablier. Spécial. J'aime ça qu'ils prennent les livres comme ça. Magical Earth en a fait une. Enchanted Earth de Melpomene Mini Chats en a fait une comme ça aussi, puis je le trouve super belle. Les ballerines qui dansent autour du plante. Super spécial. Oh, lui est belle. Le trou de clé avec les clés autour, là. Oh, ça me donne plein d'idées, là. J'ai toujours peur, mes livres vont se défaire quand ils ont des pages perforées. J'en ai même arraché les pages de certaines. Un flamand avec un vil sur le dos. Et voilà, lui est fini. Il en manque quelques-uns de ses livres. Et ça, c'était le Magical Earth. Mythographic Color and Discover Magical Earth de Joseph Katzenbach. Ensuite, le dernier livre, c'est le Mythographic Ménagerie de Fabiana Attanasio. On va regarder ça. Et qu'est-ce qui est drôle, ses traits sont plus larges. C'est pas les mêmes styles de traits que Joseph Katzenbach, mais je l'aime aussi. Spécial, l'entrée du porte dans le face du éléphant. Oh, celle-là, je l'aime. Avec les oiseaux comme ça, là. Wow. Spécial. Je sais pas c'est quoi, c'est des nemers, je pense. Non, c'est pas un nemer. Je sais pas c'est quoi, mais. C'est des sirènes aussi en même temps, c'est original. Spécial. Des singes volants. Original. Mais des gorilles volants, pas du tout parce que là, ça a l'air d'une gorille. Ça doit être la maman puis le bébé. Un cheval escargot. Spécial, très original. Un pieuvre avec un serrure puis plein de clés. S'ils ont des idées, ces artistes-là, je te dis, là. J'aime celle-là. Les petits pingouins sont trop cute. Dans des costumes en plus. Ça va être drôle. Je suis pas sûr si c'est des pingouins. C'est peut-être l'autre animal, le puffin en anglais, mais. En tout cas, c'est spécial, on s'entend. L'hibou.
L'hibou est belle. Oh, c'est spécial. Un petit animal, il dort. Oh, lui, je l'aime. Petit chat est pogné dans la cloche en vitre. Puis elle voit les poissons tout autour, puis elle essaie de les attraper. Spécial, j'aime beaucoup celle-là. Oh, celle-là aussi. Le colibri comme tête, c'est spécial. Un zèbre. Baleine. Avec des ailes pour qu'ils volent. Très original. L'ours dans la rivière avec des truites. Celle-là est belle. Wow. Elle est vraiment belle. Le tufoc. T'as vu, le bois, c'est les crayons. J'aime celle-là aussi. Un bison avec des pyramides, de l'aurore boréale, puis des petites fleurs, c'est spécial. Les poissons volants sont littéralement des avions. Avec un masque carnival sur la face, spécial. Oh, les ratons laveurs sorcières, c'est trop hot. Je l'aime. Moi, l'ours panda. Wow. Les petits hérissons. Un autre paresseux. Paresseux sur des cristaux. Des kangourous. Un autre flamand. Ça pourrait être fun. Essayez, tu sais, surtout tu fais les fleurs oranges, le flamand rose. À tester. Des axolotls. Des hippocampes. Ça, je pense à un panda rouge. Serpent. Oh, la girafe, il dort. C'est belle. Une belle image. Oui. La tortue qui tient le monde sur le dos. Mais c'est miroir. Spécial. Un désert qui rejoint de l'eau. Oh non, les oiseaux, leurs ailes, c'est de l'eau. Faut qu'ils mouillent le désert. Spécial, wow. Crocodile ou alligator, je suis pas sûr lequel, là, mais. Un reptile avec des dents. Chauve-souris. Avec un nid d'oiseau. Un alpaga. Dans de l'eau avec des poissons. Des lapins dans des théières. Non, c'est pas des lapins, c'est des jackalopes. Spécial. Un koala qui bouche un volcan. Spécial. Oh, wow! Le lion. T'as le feu, l'eau, terre et air. Très original comme image. Je l'aime beaucoup. Très belle aussi. Un perroquet qui est la poupée. Très bien. Et voilà. Ça, c'était tout pour mon petit art. Ça, c'était l'autographique ménagerie de Fabiana Attanasio. Et ça, c'est mon haul. Pas très gros, mais je suis très contente d'avoir pu partager ça avec vous autres. Fait qu'oublie pas, si t'aimes mon vidéo, petit pouce bleu vers en haut.
Puis si t'es pas abonné puis t'aimes, qu'est-ce que t'as vu? Pense-y, c'est gratuit, ça montre que t'aimes qu'est-ce que je fais sur ma chaîne. Et pour mes abonnés, merci d'être abonné. Et on se voit à la prochaine vidéo. Bye bye!